Ça, c'est une bonne question. Ça dépend de quel président, en fait. Ce serait être à l'écoute. L'écoute, une bonne écoute, une écoute active. L'écoute, d'être à l'écoute, mais vraiment à l'écoute. À l'écoute des personnes. Écouter les jeunes. À l'écoute de tout le monde. Hein. Bah, l'écoute, hein. L'honnêteté. C'est l'honnêteté. Réglo. L'honnêteté. Tout simplement. C'est carrément risqué comme poste, moi, je trouve, président de la République. Un peu d'humanisme, je pense. Plutôt plus humaniste. De l'empathie. Parce que l'empathie, ça te permet quand même de te mettre à la place des gens. Je pense que le futur président de la République doit absolument s'adresser à tous les Français. Prendre en compte la plus grande partie du monde, entre guillemets. Après, comme ça, c'est un peu technique. Je dirais une bonne communication. L'éloquence. Et je pense meneur d'équipe. Incarné par quelqu'un qui est capable de fédérer. Capable de rassembler les gens. Et ses compétences. C'est aller d'en avant et progresser toujours. De savoir tout gérer, surtout dans les moments pareils. Hein.